Là, on m'a demandé de compter 1, 2, 3 avant de partir. Donc, ça y est, j'ai compté 1, 2, 3. On peut y aller. Bienvenue pour cette rencontre autour de ce qui vient de se passer tout à l'heure, des lectures des scénarios vivants et de la diffusion des films. Je vais vous présenter notre plateau. D'abord, je vais accueillir Dimitri Fouque. Merci. Bonjour. Qui est notre NVTL podcast, qui a géré tout, interviewé pendant tout le festival Paris-Courdevant en janvier dernier, qui a fait tout le ciné-tag. Avec Yann Ballanger et Owen Guigon, qui ne sont pas avec moi ce soir, malheureusement, parce qu'ils travaillent. et nous, on fait quoi? Et nous, on travaille. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir sur les chats. C'est des trucs que j'ai appris qu'il fallait que je dise maintenant. Donc, on a deux chats. On a un chat sur YouTube et un sur Facebook. J'ai donc, un téléphone sur chaque genou, comme vous pouvez peut-être voir de loin. Donc j'ai mon genou droit, c'est Facebook, et mon genou gauche, c'est YouTube. Donc n'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions aux auteurs, autrices et comédiens, comédiennes qui seront là, si vous avez suivi les lectures, et même si vous ne les avez pas suivies, posez-nous des questions. Voilà, merci Rémi. Et je tiens à dire qu'avant, j'étais comédien lors des lectures, et là, j'étais cantinier. Donc j'ai bien, bien baissé en grade. Mais bon. Non, pardon, c'est... Ah oui, c'est terrible ce que j'ai dit. C'est terrible. Donc voilà, on a les comédiens qui sont dans la salle et qui vont venir au fur et à mesure où on va parler des films. Bonsoir Baya Kasmi, merci bonsoir. Beaucoup d'être avec nous. Merci Baya Kasmi qui a donc écrit et réalisé « J'aurais pu être une pute ». Bonsoir Fabien Arin qui a bonsoir. Donc réalisé et écrit « Féroce ». Marie Le Floch qui a écrit et réalisé « Je serai parmi les amandiers ». Et Bastien Dubois, qui a écrit et réalisé, c'est le cas de le dire, parce que là, toutes les images sont faites à la main. Souvenir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ma première question va être assez générale avant qu'on rentre dans le détail des films. C'est là, vous venez de voir vos films réincarnés par des comédiens que vous n'avez pas choisis, longtemps après l'avoir fini, pour certaines, pas très longtemps après pour certains. Ça vous a fait quoi ? Moi, j'ai adoré. Je ne m'y attendais pas parce que je m'attendais à m'attacher aux défauts du scénario, à tout ce que j'aurais dû couper et tout. Et ils étaient tellement bien que c'était vraiment un plaisir de revivre le truc différemment. C'est super. Bravo. Ça va bien. Bah, bravo aussi. Moi, j'étais assez épaté et aussi dans le rythme pour regarder ce rythme là qui se fait au montage et là c'est au scénar et j'étais hyper content et touché et ça m'a fait du bien de l'entendre, de réentendre le texte d'une autre façon, donc bravo Marie. Bah oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé, enfin, c'était, honnêtement c'était vraiment une émotion assez particulière. C'est un peu comme ça, si ça réouvrait le champ des possibles, on le voit incarné de façon différente. Et donc oui, merci aussi et bravo. Ben pareil, donc j'ai trouvé que c'était... Bah... Non, enfin moi ça m'a fait chier, je trouvais que c'était vraiment nul. Non, c'était vraiment incroyable, c'était très 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 touchant. Et ça m'a fait me dire que ça pouvait être un exercice super intéressant pour un futur film. De faire ce, même si ça peut coûter une petite ligne en plus dans le budget, mais en tout cas, comme tu disais, le champ des possibles, ça fait voir les. Et même de le mettre entre les mains de gens qui se l'approprient, parce qu'en fait, j'ai vu des choses sous un angle différent et des propositions du coup qui étaient différentes de choses que j'aurais pu imaginer. Et donc, ça ouvre notre spectre. Et c'est donc très intéressant en termes expérimentaux pour le développement d'un film. Oui, pour toi, c'était encore plus particulier parce que dans le film, c'est toi qui parles, tu incarnes ton propre rôle, et là, pour le coup, c'est un comédien qui incarne toi. Donc, comment ça s'est passé dans ta tête là ? Eh bien, en fait, donc, le comédien qui s'appelle Benoît Chauvin, c'est intéressant parce qu'il a pris un registre un peu plus comique. Dans le spectre des émotions, on va dire, il était un peu plus dans la comédie, là où moi je suis assez sérieux dans le film. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, il a exprimé un peu le sous-texte du film, c'est-à-dire que je joue un peu un personnage
un peu candide, un peu pataud avec son déni qui n'arrive pas à s'en sortir. Mais je ne l'ai pas cherché à le mettre en avant. C'était plus quelque chose qui était sous-entendu. Et donc ça m'a un peu perturbé au début cette approche, et je me suis demandé comment ça allait. Au début ça marche, et je me suis demandé comment ça allait évoluer, parce que le film devient de plus en plus la vis se resserre progressivement, et ça marchait très très bien, et tout venait s'agréger. Mais je me demande, est-ce que t'as l'impression que t'as changé de registre pendant le... Enfin, tu veux dire un mot là-dessus ? Bastien, on va peut-être... Ah ok, pardon. C'est pas tout de suite. Est-ce que vous voulez tous venir sur scène ? Si ça... Bah oui, on aurait bien aimé, mais là, c'est... Là, c'est vraiment pas possible, malheureusement, okay. À cause de... Non, je m'emballe, désolé, je m'emballe. Du Covid. Non, mais c'est moi qui t'ai lancé, je suis désolé. On va commencer avec ton film, Marie. Donc, je vais demander à Toufan Manoucheri et Sassi Zaidi de venir sur le plateau. Tu parleras dans une demi-heure, Bastien. Ok. Venez. Oui, oui, de chaque côté. Re. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont échangées, bien sûr, dans les intercours entre les moments où la lecture a eu lieu et maintenant. Mais je vais vous demander à tous les deux déjà de dire comment est-ce que vous avez abordé les rôles. La limite de l'exercice pour nous, c'est que... on est obligé de caster des comédiens qui sont très polyvalents, parce qu'on ne peut pas avoir un comédien par rôle, parce que sinon on aurait 36 personnes et c'est très compliqué. Donc on vous caste parce que vous êtes polyvalent, mais aussi parce que vous correspondez évidemment pour nous très très bien au rôle. Donc quelle a été votre première impression quand vous avez lu le texte déjà, quand vous l'avez lu tout seul C'est mes origines. Je suis d'origine iranienne, j'ai vécu petite ce qu'a vécu la petite là. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont vécu, mais du coup, je me suis imaginé tout plein de choses. Et donc, je me suis identifiée. De manière générale, tout ce qui se passe avec la Syrie en ce moment, ça me ramène 40 ans en arrière de quand je suis arrivée en France, à cheval par la Turquie. Enfin, moi, je vais pas raconter ma vie, mais en gros, ça, je me suis d'abord identifiée comme ça. Ensuite, frustrée parce que beaucoup de didascalie et très peu de matière à voilà, mais heureuse d'être là, enfin je sais pas, il y a un mélange de merci en tout cas, et merci Rémi, Nathalie de penser régulièrement à moi, mais voilà, ça fait plaisir, voilà, j'aime pas parler. Sassi, moi à la lecture du scénario, j'ai été très touchée par cette histoire d'amour qui a l'air de se terminer tout doucement, et une espèce de fatalité dans leur rapport. Alors, on ne sait pas explicitement pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on a cette rupture tout doucement qui commence à se dessiner. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce truc-là, d'être dans une fin d'histoire d'amour qui est en train de s'éteindre, avec ce feu d'artifice à la fin, et c'est... cette espèce d'espoir qu'il y avait dans le scénario à la lecture, puisqu'à la fin, ils finissent quand même réunis. Moi, ça m'a beaucoup touché. Marie, une réaction maintenant sur le... un peu plus particulière sur... le... comment dirais-je, l'espace qu'on a créé avec la lecture, là, sur ton film, l'espace dramaturgique. Oui. Bah, ce qui est assez fou, déjà, c'est qu'en fait, tous les deux, ils incarnent un peu ce que je recherchais en termes de présence. Enfin... autant toi, t'es assez doux, mais assez imposant. Enfin, c'est même toi, c'est fou. Il y a quand même il y avait quand même quelque chose que je recherchais. Enfin, même si évidemment j'adore mes acteurs et je les changerais pour rien au monde, mais il y avait quelque chose en tout cas qui se dégageait, qui était assez proche des personnages. Et voilà. Après, je me doute de la frustration, peut-être parce que c'est des personnages qui parlent pas beaucoup. Et en général, j'écris des personnages qui parlent pas beaucoup. Mais non, j'ai été touchée, même par, je sais pas si on dit ça, par la narratrice. Oui. Enfin, je sais pas, ouais, ça m'a fait quelque chose auquel je pensais pas forcément. Tu viens de les complimenter pour leur
adéquation au rôle. Enfin, leur présence, quoi. Leur présence, et, oui, oui. Ouais. Et je voulais associer à ce compliment Nathalie Cooper qui travaille avec moi sur le casting, puisque à chaque fois, c'est un casse-tête quand même assez, assez grand d'arriver à remplir tous les rôles avec des gens qui sont faits pour ça et qui puissent... voilà, donc... voilà, je voulais la saluer et elle est là, je ne sais pas où elle est, elle est là. Voilà. On a vu donc qu'il y a beaucoup de didascalies pour un film qui n'est pas très bavard. Nous, c'est notre difficulté de créer cet espace avec l'idée des didascalies. On a vu que tu avais beaucoup, beaucoup, il me semble, élagué entre le scénario... tel qu'il est écrit et le film définitif. Est-ce que c'est des choses que tu n'as pas tournées ou est-ce que c'est des choses que tu as tournées et que tu as coupées? Raconte-nous, oui, un peu. Quand tu dis des escaliers, c'est vraiment le corps du texte. La description. Hein, c'est pas les... La description. Ok, ouais, ouais. En fait, non, on a tout tourné, je pense. Il y a des petites choses qui ont changé. L'histoire entre les filteuses était différente. Mais on a tout tourné. C'est juste qu'au montage, en fait, on s'est rendu compte. Bah, d'une part, qu'on avait vraiment en fait besoin déjà de rentrer directement dans l'histoire avec eux, de rentrer assez plus dans le vif du sujet, et puis en fait qu'on avait besoin de pas les perdre parce qu'elles se retrouvent quand même dans un dilemme moral qui va quand même assez loin, enfin qui va plus loin d'ailleurs dans le scénario que dans le film. Mmh. Où on a évolué. Et en fait, on pouvait pas la perdre du tout, c'était impossible. Et du coup, c'est vrai que ça, c'était un peu regret au montage. Il y avait plein d'impros qu'on avait fait avec les fileteuses du port, justement, qui étaient super, mais qu'on a dû mettre de côté pour vraiment la suivre, vraiment autour du couple. Et puis, voilà. Peut-être ce qui a changé aussi, c'est que le dilemme de ce qu'elle va faire ou non est moins serré que dans le scénario, parce que. On s'est rendu compte que ce personnage avait plus peut-être besoin de temps pour faire son deuil ou que voilà. D'accord. Est-ce que vous avez retrouvé dans le film ce qu'on a fait dans la lecture, ou est-ce que vous avez il y a des différences, ou est-ce que vous avez des questions que vous auriez besoin de poser à Marie sur des choses que vous auriez pas comprises ou non? Ils sont merveilleux. Non, moi je crois que non, il y a tout. Enfin, il y a tout. Non. D'accord. Non. J'ai adoré, moi, les silences des personnages. Ouais. Ouais, c'est limite une partition qui a été écrite. On a un peu ce sentiment-là. Oui. Mais c'est juste, j'aime bien les personnages qui sont tout en pudeur et voilà. C'est peut-être pour ça. D'accord. Peut-être une question à poser ? Non, mais c'est vrai que oui, il y a quand même des scènes qui ont été coupées. Il y a la scène de la voiture avec le petit cheval et tout qui a été coupée. Et c'était étonnant de voir ça, parce que j'avais déjà vu le film, et c'était étonnant. Mais en fait, j'avais oublié que ça n'était pas dedans en voyant la lecture, et j'y croyais complètement. Et donc oui, ça m'a étonné après de revoir le film. Mais, ça fonctionne tout à fait. Et finalement, ça participe à ce silence dont tu parles. Qui est tout aussi intéressant que ce qui a été coupé presque finalement, en fait. Ce n'est pas une question. Moi, ce que je trouve super, alors je sais pas, tout à l'heure tu disais que tu étais bretonne et tout ça, ce que j'adore, enfin, et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que toi, tu viens raconter cette histoire-là? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de raconter? Parce que oui, on raconte une histoire d'amour, mais il y a du sous, il y a de la petite histoire la grande histoire dans la petite, non, c'est l'inverse. Et j'aime bien ce genre d'histoire. Et qu'est-ce qui fait que... C'est quoi ton parcours? Enfin, ton parcours, tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de raconter cette histoire d'amour ou cette rupture-là? Après, de la Bretagne à Bruxelles, franchement, on ne peut pas vraiment parler d'exil. Je crois que le point de départ de ce projet, ça a été ce port, parce que du coup, mon père vient de là, du coup, j'avais envie d'y retourner. Et en fait, il y a eu toute une évolution où, dans le même temps, j'ai rencontré une femme syrienne qui était dans la situation inverse de Maïsan, à savoir qu'elle voulait se séparer de son mari, mais qu'on lui conseillait d'attendre pour avoir son statut en tant que famille. Et je sais pas, il y avait un paradoxe qui m'a fait écho, et je pense que c'est à posteriori qu'on se rend compte pourquoi. Enfin, mes films d'école, déjà, c'était... Il y avait justement une histoire d'une famille polonaise en exil, et c'était tout que à travers l'intime entre une relation parent-enfant. Et je sais pas, tout c'est un peu... Enfin,
je sais pas, il y a quelque chose qui m'intéresse, dont il y a une sorte de confrontation au monde en fait que je trouve tellement forte, tellement violente, qu'on peut raconter beaucoup de choses. Et puis après, voilà, il y a des choses personnelles qui nous traversent, de qu'est-ce qui nous tient ensemble en tant que famille, en tant que couple, et comment explorer ça dans une histoire, quoi. C'est vrai que je me demandais du coup comment est-ce qu'on dirige des acteurs qui parlent, à moins que tu parles arabe, qui parlent une langue que tu ne parles pas. Je parlais quelques mots, mais franchement pas du tout assez pour les diriger en syrien, et c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du tout dérangé. Au contraire en fait, j'avais fait un film de quatrième année tout en polonais, et je sais pas. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus attentive, en fait, à... Alors, après, on parle énormément, hein. Je les ai énormément impliqués dans les lectures. Enfin, on a discuté, ils ont donné des idées. On a discuté, voilà, de chaque... On avait quand même une traductrice avec la script qui... Donc, on échangeait quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une attention au regard, à tout ce qui se passe en dehors des dialogues qui, moi, me... Enfin, en fait, qui, moi, me parle beaucoup. Enfin, voilà. Après, je vais apprendre le syrien pour d'autres raisons, mais ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Marie, les uns les autres ou pas ? À quel moment t'as changé la fin ? Je pense j'allais dire au montage, mais je pense que c'était déjà au tournage en fait, parce qu'on est allé jusqu'au bout, mais que ça me semblait tellement pas juste sur le moment, et c'est fou parce que c'est le moment dans le tournage où j'ai été le plus perdue de tous les jours de tournage, et ça se sentait en fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste par rapport à ce couple, et que du coup j'étais perdue au tournage, ça s'est ressenti. Après on a quand même fait quelque chose de bien, mais c'est vrai qu'au montage en fait, on ressentait ça qu'on avait... Ça se ressent plus maintenant. Ouais. Bah, on ressentait qu'on avait besoin de rester avec elle, et que ce geste d'Iyad, il n'aurait pas forcément été juste par rapport à elle. Enfin, plein de choses, et que finalement, on avait peut-être aussi... Enfin, on avait enlevé tout ce dilemme des papiers, tout ça, et du coup, on avait peut-être juste besoin de rester avec elle, de son deuil. Et voilà, même si certaines personnes trouvent que voilà, qu'ils sont arrachés de la fin, ce que je peux comprendre. Mais du coup, ouais, c'était un choix montage. Je trouve que la dernière image, enfin, le moment où elle les regarde dans le feu d'artifice, justement, reste très fort, je trouve, où elle les laisse seules. Je trouve pas qu'ils sont enlevés de la fin, parce que... Enfin, j'ai pas ressenti ça. Tant mieux. Ok. Ben, merci, Toufane. Merci, Sassi. Merci beaucoup. On va demander à... Je vais trouver mes notes. Marine et David, Marine Dussolu et David Lerin, de venir sur scène. Et on va parler de Féroce. Petite désinfection des micros, Covid oblige. Donc, Marine et David, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Donc, vous êtes rentrés comment dans le scénario quand vous l'avez lu pour la première fois, vos premières impressions Plutôt bien. Ça n'a pas fait mal. Moi, j'ai adoré. J'en avais beaucoup entendu parler de ce film, mais je ne l'avais pas vu. Moi, j'étais un peu... J'avais hâte de voir ce qui allait se passer à la lecture, parce qu'Alma, elle parle très peu. Je crois que sa plus longue phrase a 9 ou 10 mots. Et j'étais très... Enfin, j'avais très peur du rythme, en fait. Voilà, parce qu'en lecture, mine de rien, on peut pas... Enfin, en lecture, on incarne au moment où on parle, au moment où il y a les répliques. Alors là, les répliques étaient tellement courtes et répétitives que voilà, on joue sans jouer. Donc voilà, et je suis assez contente quand même. Enfin, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. David ? Et c'est marrant que tu parles de rythme, parce que moi, c'est par le rythme justement que je suis rentré. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est ce qui m'a le plus, on va dire, touché à la première lecture. On en parlait tout à l'heure. Des didascalies très brèves, très rythmées, avec une force d'évocation assez impressionnante. Et voilà, c'est ça qui, moi, la première chose qui m'a touché, c'est ça, en fait. Je ne suis pas à ma première lecture de scénario vivant, et je voyais bien assez vite
En plus, comme j'ai vu que j'étais dans les didascalies, j'ai vu assez vite quelle tournure ça pouvait prendre et puis quel rythme ça pouvait prendre. Et juste, moi, ce que j'adore aussi, c'est le mélange entre le tragique et le comique. On parle d'un sujet qui, pour moi, est tragique, de manière comique. Elle est complètement... Elle se décompose au fur et à mesure avec des personnalités complètement ubuesques autour d'elle. Et ça, moi, j'adore. Et je trouve qu'à la lecture, c'était fort aussi. Oui, oui. Voilà. Il y a une chose qu'il faut dire pour Fabien. Je vais te laisser les oreilles qui vont siffler. Les didascalies sont extraordinairement imagées chez toi. Elles sont très brèves, mais extraordinairement imagées. Et ce que vous n'avez pas, vous, en tant que spectateur dans la lecture, c'est les indications de jeu. Oui. Et les indications de jeu chez Fabien, elles sont extraordinaires. Parce qu'il y a Alma... Pivoine. Vésuve. 9,5 degrés. Vésuve. Sur les lapin dans stellaires. Un phare. Voilà, pris exactement. Dans un phare. Ouais. Voilà, il y a un d'accord pivoine. Lapin pris dans des phares, etc. Ouais. Ça, c'est des indications de jeu de Fabien, quoi. Oui, moi, en fait, j'aime bien quand j'écris. Déjà, c'est vraiment l'image que j'ai. Vu que je n'ai pas vraiment l'image du film avant. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe quand vous écrivez, mais c'est vraiment les images que j'ai. Donc, j'essaie de les mettre au plus propre de ce que j'ai dans ma tête. En me disant que je pense qu'un comédien, étant comédien aussi, serait plus heureux d'avoir un lapin dans un phare que étonné, j'imagine. Je sais pas si c'était ça. Mais, ou choqué. Interdit. Voilà. J'aime bien ça parce que ça. Je trouve que ça décomplexifie. Enfin, y a un truc beaucoup plus cool, je trouve, à lire. Ce que je disais hors. Hors scène, c'est qu'avec Amélie, ma productrice, on s'est vraiment posé la question. Elle était fan de ça et moi aussi. Et est-ce que, selon les commissions, est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on simplifie? Et c'est un travail qu'on a dû faire parce qu'on ne sait pas qui va lire le scénar et ce qu'il peut penser de ça. Après, ça indique aussi forcément que c'est un film qui est quand même dans la comédie alors que c'est un sujet dramatique. Donc ça aide aussi peut-être à montrer le ton du film. Mais j'avais complètement oublié ça, puisque je ne l'avais plus lu depuis 2 ans. Et là, j'ai fait « Ah, ça, j'étais content de c'est d'avoir, énorme. Du coup. » Et c'est vrai qu'avec très peu de mots, on a tout de suite une image très précise. Tu vois, quand tu multiplies les têtes de Alma, têtes de... Là, on voit très vite ce que ça peut donner à l'écran, on voit très vite ce que ça peut donner dans le rythme. Ça, c'est hyper... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'était un bel exercice de faire ça en lecture, en tout cas. C'est réussi. Hein. Justement, j'avais peur de... J'avais peur parce que sans rythme, forcément, ça tombe, à mon avis. Hein. Et là, j'étais vraiment à fond avec vous. J'ai l'impression que vous avez vraiment gardé et le rythme. Et en plus, malgré tout, tout en disant, justement, les didascalies. Et ça, j'avais peur que ça fasse retomber. Et ça s'est vraiment très bien passé, je trouve. Je l'ai trouvé très bien. Oui, c'est un exercice assez complexe. Pour la lecture, le problème de la didascalie, c'est-à-dire que la plupart du temps, elle fait tomber le rythme. Donc celui qui a la responsabilité de la didascalie a une responsabilité énorme sur la lecture, parce que c'est justement elle ou lui qui donne le rythme. Et on a choisi, de temps en temps, il nous arrive, c'est vrai, d'en enlever une ou deux, parce que c'est redondant par rapport à ce qui est joué. Mais toi, on a choisi de les garder toutes, en fait, parce qu'elles sont très brèves, et justement, elles donnaient de la scansion à ton film, et c'était très agréable. Et de manière naturelle, je mets très peu de didascalie, hein, même en drame, c'est bizarre, mais je suis vraiment plus dans le dialogue, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Donc tous mes scénars sont comme ça dans tous les cas. On pourrait faire un mix de Marie et de... Ouais. C'est clair. Moi, on avait déjà un peu parlé de ce film, mais j'aimerais bien avoir l'avis. Est-ce que vous l'avez découvert, ce film, vous et j'aimerais bien savoir du coup ce que vous en avez pensé. Ça super et puis c'est vrai que la lecture la lecture comme ça d'un film qui est avec un montage qu'on ressent très précis avec des allers-retours, du coup ça fait vraiment la lecture était déjà très drôle, très rythmée, très réussie, et du coup on rêve à des images sans du tout imaginer ce que ça va être, et c'était vraiment hyper fort et agréable de le voir en vrai après. Donc c'était plus les plantes qui mangeaient, mais il y avait tout ce fantastique et ce que tu as écrit, par exemple, sur la musique, l'effet lumière là, que tu... Oui, au début. Enfin, je trouve ça super, ce mélange des genres, on est tout le temps... J'adore ça, oui. Ouais. Vraiment. Mais même en spectateur, c'est un truc que j'aime beaucoup.
ne pas être cloisonné justement à un genre, c'est un truc qui me plaît. Ouais, puis aussi, je trouve que c'est ce qu'ils ont réussi, et ce qui est réussi aussi dans ton film, c'est que malgré très peu de dialogue, un ton très comédie avec des personnages qu'on ne voit pas exister dans leur vie normale, donc ça pourrait être... on pourrait projeter quelque chose de très exagéré, je ne sais pas comment te dire, alors qu'en fait, que ce soit dans la lecture ou dans le film... Les personnages, ils sont très sincères, très justes. En fait, ça passe pas ce degré de comédie hyper outrancière. Alors en fait. Que pourtant, dans les dialogues, enfin, moi, je trouve que c'est cet équilibre qui est très beau. C'est un peu ce qu'on me reproche, on va dire. Beaucoup de gens peuvent le lire de façon grossière, justement. Enfin, en imaginant à la lecture, les comédiens les plus grossiers possibles et faire la grosse comédie. À la lecture, c'est pas forcément évident. De savoir, justement, parce qu'il y a très peu de dialogue, et puis que forcément, ces personnages, ils ont peu de temps pour exister. Et là, il y avait une finesse tout du long, dans le film et dans la lecture, c'était génial. Mais c'est vrai que le film pourrait être massacré par une interprétation hors de propos. Non, mais c'est clair, enfin, vraiment, là, pour le coup, parce que c'est sur le fil. Il y a beaucoup de cours où on voit ça, un peu, le côté... Après, j'ai vraiment l'impression que dans la direction, plus on est sincère. Pour moi, l'humour vient du montage, selon moi. Et vraiment, les comédiens, j'essaie de les pousser dans la profonde sincérité. Et après, le rythme vient de ça. Souvent, même en tant que comédien, quand je fais beaucoup de comédie, on me demande souvent, mais du rythme, je suis là. le problème, c'est que je demande jamais à mes comédiens de mettre du rythme, parce que souvent, ça fait un truc un peu très dynamique et souvent surjoué, alors que au tournage, c'est très lent. C'est très très lent, et après je le découpe. Mais c'est ma façon de faire, je dis pas qu'il faut faire ça. Oui, parce que Franck Capra, il était pour faire accélérer les comédiens. Énormément de gens font ça, et moi je suis là, je déteste qu'on me demande ça. Mais parce que je sais que moi, quand on me demande d'accélérer, alors ça devient les gros trucs, et je pense que j'en fais des caisses, quoi. Alors qu'il y a des comédiens qui doivent être très justes, même dans l'accélération. Mais... Du coup, je m'attache beaucoup à ça, moi. Mais oui, en fait, les mots sont déjà violents et grossiers. Enfin, ce qui est dit est déjà très violent. Donc, c'est la sincérité et la subtilité qui fait que c'est drôle, finalement. Et je voulais relever, t'as dit une phrase. Tu as dit, ne pas être cloisonné à un genre, ça me plaît, en parlant du genre du film. C'est assez génial. Est-ce que ce serait une mise en abîme plusieurs genres et on a Andréane de Tienne qui nous dit sur YouTube, écoutez, le cinéma fait tant de bien, tout me manque, merci. J'espère que tu vas bien. Oui. Salut. Mais merci. Andréane est une compositrice lyonnaise qui a écrit la musique de plusieurs courts-métrages magnifiques, dont Auguré ou Les Turpitudes d'un concombre russe de Éric Bus, si je me souviens bien. Donc on la salue, Andréane. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, si vous nous parlez sur le chat, vous avez votre page Wikipédia dite par Rémi. Profitez-en. Fabien, je voulais revenir avec toi sur ce qu'on met et ce qu'on ne met pas dans un scénario pour être lu par les lecteurs des commissions et des choses là. Ce qui est quelque chose qui est commun à tous les auteurs de courts et de longs métrages. Est-ce que vous êtes pris dans ce dilemme de trop mettre d'indications dans le scénario qui rend la lecture pénible ou de ne pas mettre assez pour ne pas être compris sur les sous-entendus et les non-dits ou ces choses-là. Est-ce que c'est un dilemme auquel vous êtes souvent confronté ou pas du tout? Ou c'est moi qui me fais un film? Je ferai pas vite pour ça, mais moi je suis hyper... c'était quoi le mot que tu as utilisé? Confronté à ça tout le temps. Parce que j'écris, je pense pas assez. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'on va me comprendre en deux haussements de sourcils, justement. Je pourrais dire... Et en fait, du coup, je dois m'appliquer à faire comprendre et à plus écrire que ce que j'aurais envie. Bon, pour moi, c'est ça, en tout cas. Mais pour moi, c'est aussi le propre de la comédie d'essayer de ne pas trop écrire de didascalie, parce que comme déjà, on a des... Enfin, toi comme moi, on a plus de dialogues, par exemple, que dans ton film. Donc, du coup, il y a un truc de ralentissement de rythme et aussi... quelque chose qui fait qu'on n'aurait pas confiance dans nos dialogues ou dans leur sens en voulant les expliquer, ce qui voudrait dire que c'est pas drôle et que du coup il faudrait le dire d'une certaine manière pour que ce soit drôle. Et je pense que c'est un peu dangereux dans la comédie de mettre trop de didascalie parce que du coup on perd complètement le rythme, et notamment entre deux répliques, si elles
Enfin, ça, c'est classique, mais si deux répliques ne s'enchaînent pas et si au milieu, il y a une phrase de description, c'est plus drôle du tout. Donc, c'est vrai qu'on décrit peu et que parfois, ça nous est reproché dans des commissions. Vous deux, vous êtes confrontés à ça ? Est-ce que vous vous posez cette question-là, Marie, puisque ton film n'est pas très bavard, donc tu es obligée de décrire des situations, de décrire des comportements ? Oui, justement, non, moi, pour le coup, je vais être courte parce que je crois que je ne me suis pas trop posée cette question-là. Enfin, comme tout passe par... il y a beaucoup de choses qui passent par les silences. Du coup, je ne me suis pas trop gênée, je pense, pour écrire un peu comme je le sentais. Et du coup, non. Enfin, moi, en tout cas, ça ne s'est pas posé. Okay. Je sais pas. Bastien ? C'est pas facile comme question. Je pense que le genre de film qu'on écrit va beaucoup dépendre de ce qu'on va devoir mettre comme indication. J'ose espérer qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi par la note d'intention, où on va expliciter un petit peu vers quoi on veut aller. Et après, si c'est pour comprendre le sous-texte d'une scène particulière, je pense que c'est difficile quand on est en train d'écrire de se figurer ce que va ressentir quelqu'un qui est en train de découvrir le texte. Donc je crois que c'est un peu comme n'importe quel écrit finalement, où est-ce qu'on est en mesure juste d'écrire quelque chose qui transmet l'émotion qui... S'il y a besoin de plein d'explications, ouais, je pense que c'est pas cool. Ok. Est-ce que vous voulez poser des questions à Fabien avant qu'on... C'est qu'on a discuté en dehors. Ah oui, c'est ça. Mais redites-nous. Il faut refaire les questions. Qu'est-ce que vous avez posé? J'ai une question, et c'est peut-être pas exactement par rapport à l'exercice d'aujourd'hui de remettre en jeu ce scénario, mais c'est plus par rapport au film en lui-même. Je voulais savoir, est-ce que tu t'es posé la question à la fin du film, donc il y a les personnages féminins positifs qui sortent de la maison, habillés en fée. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir qui devait sortir de cette maison? Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas trop les personnages, c'est-à-dire quels personnages ? Oui, les personnages qui sortent de la maison. Donc en fait, il y a déjà, on va dire, les personnages qui ont une certaine conscience par rapport à la problématique et qui ont accepté la position de l'enfant sur le sujet, qui sortent de la maison habillés en fée. Donc ils sont dans une démarche d'acceptation. Et les personnages négatifs, on les a laissés à l'intérieur de la maison. Et est-ce que tu t'es posé la question de savoir si c'était... quelle personne devait sortir de la maison ? Est-ce que c'était... Enfin... Est-ce qu'on pouvait pas mettre une robe à Serge, par exemple ? Ben voilà. Enfin, moi j'aurais grave. Non mais c'est Oulfa. Oulfa qui finalement a subi aussi un genre de pensée comme ça, un petit peu brutale et intransigeante. Pourquoi elle sort pas, quoi ? C'est une question évidemment qu'on s'est posée, mais vraiment avec tous les personnages et plusieurs réponses. Déjà le fait que ce soit le lendemain. Je pense qu'il faut plus de temps pour ces autres personnages. Si c'était un long, peut-être deux semaines après, mais on s'est aussi dit, si Serge sort en robe, j'avais peur que le côté dramatique soit un peu plus... Escamoté. Oui, j'avais peur parce que forcément, je pense que ça aurait quand même fait quelque chose. En plus, au ralenti, j'avais un peu peur de ça. Je m'étais posé la question que Tchétché, le mari de Myriam, soit... J'avais pensé de le mettre dans une voiture en train de regarder, inquiet, mais qu'il soit là, donc comme c'était un début d'acceptation. Parce que, voilà, pour moi, chaque personnage, je voyais aussi Serge à la fenêtre partir. Pour moi, tous les personnages étaient là. Après, c'était aussi une question de temps et de tournage et de fin, mais chacun à sa place. Mais pour moi, tout était clair. C'était clair que c'était que ces trois femmes qui pouvaient sortir. Et que l'acceptation prendrait beaucoup plus de temps qu'une nuit. J'avais même pensé voir tous les personnages en train de s'endormir après cette discussion. Comment ils s'endormaient, comment... Mais encore là, c'est du long métrage. Enfin, c'était beaucoup plus long, quoi. Mais ça m'a intéressé de voir ça. Ouais, puis à la réflexion, ça aurait eu un côté ridicule, alors que le petit vit ce truc-là vraiment au premier degré et que... Et que là, tout d'un coup, il y aurait eu du déguisement. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour les costumes, on a essayé d'y aller pas dans un truc... Voilà, on voulait justement que ce soit leur robe à elle, puisque c'est dans la nuit, son ancienne robe de mariée qui montre qu'elle est ou divorcée. Ou, enfin, voilà, c'était montrer qu'elles avaient ça aussi chez elles, et malgré tout, que ça restait du costume. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci
Marine, merci à vous. David. Bravo. On va demander à Perrine Daugé et Christine Gagnepin de venir sur le plateau, s'il vous plaît. Et on va parler de souvenir. Tu y es pas ? Ah, bah d'accord. Ah, ben alors. Oui, je vais appeler l'assistant de production. Benoît, viens. Tu peux en parler quand même. Je vais vous poser la même question qu'aux autres. Vous vous êtes rentré comment dans le texte quand vous l'avez eu pour la première fois ? Ce qui est surprenant, c'est que moi, je n'avais pas vu le film du tout avant, donc j'ai découvert par le scénario. Et je crois qu'on a été tous, les comédiens, quand on en a parlé, à ne pas savoir que c'était de l'animation, en tout cas que c'était de l'animation sur tout le long du film. C'est-à-dire qu'à la lecture du scénario, je crois que les uns et les autres ont pensé que lui était incarné par des personnages physiques, les grands-parents, le père, etc. Et qu'après, il y avait tout l'imaginaire des dessins. Et donc, on l'a compris au fur et à mesure du scénario et quand nous, on s'est vus une première fois pour une répétition, qu'en effet, tout était en animation. Et c'est surprenant et ça donne, parce qu'il y a à la fois tout un réalisme de ces personnages qui sont là et le fait qu'ils soient, quand tu apprends qu'ils sont dessiné, il y a tout un imaginaire qui s'ouvre et tu dis, ben, en tant que comédien, ça serait vachement bien de passer par là aussi, de se dire que ben, tout est possible et que les visages qu'ils peuvent avoir, ça peut être dessiné. Voilà, tout est possible. C'est pas forcément mon corps, moi, voilà, ça te donne un champ des possibles. Et à la lecture du scénario, et encore plus pour moi en voyant ton film, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je vois tellement le parcours d'un auteur, enfin le parcours, qu'est-ce que c'est que créer quelque chose, d'où ça part, de quelle histoire tu racontes, comment toi tu bifurques, comment tu t'arranges avec les personnages, ou c'est eux qui s'imposent à toi, ou comment tu refuses d'écrire ça, mais en fait t'es obligé de l'écrire quand même, et quelles sont les recherches, et je trouve que c'est au-delà de l'animation, moi j'adore les films d'animation, je trouve ça magnifique, mais là t'as une abîme de ce que c'est que de créer et de la problématique de l'auteur au milieu de ça, je trouve que très simplement tu racontes exactement ça. Qu'est-ce que c'est l'abîme de tout d'un coup rentrer dans une histoire et pourquoi je la raconte et comment je la fuis et comment les personnages viennent vers moi, quoi. Je trouve que c'est vraiment un résumé fabuleux de ça, quoi. Vraiment, c'est très beau. Benoît ? Moi, j'ai compris plus tard que c'était une animation. Je crois que j'ai compris aujourd'hui. Mais j'ai compris qu'il y avait certaines séquences en animation. Et puis je pensais que le reste était filmé, mais... Voilà, je m'affiche, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le sujet. Je trouve que c'est un sujet quand on grandit. Moi, j'ai 39 ans. J'ai l'impression qu'on en a rien à foutre de la guerre d'Algérie en France. Tu vois, quand on à l'école, je me souviens pas que ce soit vraiment un chapitre très important. Les guerres importantes, c'est la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ça, c'est toujours pas très important, je trouve. Et pourtant, ça fait partie d'un bagage hyper, hyper lourd. Je crois qu'il y a eu un rapport aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le rapport Storma, Stora. Et Benjamin. Voilà, oui. Et qui redéterre des trucs. Et on voit encore que la France n'est même pas prête encore à faire des excuses. Et enfin, c'est étonnant que le temps passe, que tout soit si loin et qu'on ait autant de difficultés à aborder le truc. Donc je trouvais que c'était bien de l'aborder. Et j'aimais bien aussi, à la fin, le sentiment du personnage envers son grand-père et qui dit « au moins, je sais qu'il n'était pas insensible ». Et ça, je suis très touché par le fait... Souvent, on cache souvent nos sentiments. Je ne sais pas si vous avez l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est une grande vulnérabilité où on cache beaucoup de choses. Et quand on voit les autres cacher des trucs, on a l'impression qu'on interprète toujours mal. C'est-à-dire que le personnage, vu qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'en a rien à foutre, qu'il n'est pas sensible. Alors on interprète mal la protection des gens. Et donc du coup, ça rappelle aussi que c'est très important de ne pas forcément se protéger, aussi pour les autres, de dire quand on a mal ou quand on est... voilà, c'est ce qui m'a touché à la fin du truc.
Ben, merci beaucoup. Tu vois, tout à l'heure, enfin, je crois que ce que tu as dit là sur le fait de s'ouvrir et d'accepter ses émotions, tout à l'heure, tu as dit, ben voilà, je m'affiche, j'avais pas capté que c'était un film d'animation. Ben, merci de t'afficher et de te livrer à nous, parce qu'en fait, ça dit beaucoup de choses finalement sur le statut du film d'animation par rapport au film de prise de vue réelle et comment, en fait, pour moi, le film d'animation n'est pas un genre. Et je pense qu'on peut raconter la réalité avec des tonnes de moyens différents, avec des humains ou pas avec des humains. Et ça me touche beaucoup que vous m'ayez fait ce retour de dire « Ah, ben, on n'avait pas compris que c'était tout en animation. » Et je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question à un moment où je voyais un peu l'ampleur du travail qui m'attendait, de faire la partie... que j'appelle carnet de vie en film, en prise de vue continue. Et aussi à quoi j'ai pensé tout à l'heure, j'ai pensé à plein de trucs pendant que vous parliez, je ne sais plus. Donc oui, je m'étais posé la question de faire le film à un moment en prise de vue continue. Et oui, aussi, tout à l'heure, tu as dit, en plus, tu as fait tous les dessins, etc. Alors non, je n'ai pas fait tous les dessins, j'ai une grosse équipe derrière moi. Il y a donc Jorge González qui a fourni l'essentiel de la matière graphique qui a servi à la conception des décors. Et ensuite, il y a tout un tas de personnes qui ont fait la fabrication des personnages, leur animation, l'assemblage des différents matériaux. Je ne pourrais pas vous expliquer ce que ça prendrait 50 ans. Donc il y a au moins, je ne sais pas, 30-40 personnes qui ont été impliquées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? moi, je voulais juste avoir ton sentiment intime, puisque cette histoire est très personnelle, on l'a tous compris. C'est toi qui parles dans le film, donc tu incarnes ton propre rôle. Et on a changé le paradigme, nous, on a mis un comédien qui a créé un rôle. Et je voulais avoir comment ça s'est passé dans ton cerveau, cette différence entre les deux. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, comme je disais tout à l'heure, pour moi ça a révélé un sous-texte que j'avais pas mis en Didascalie mais que tu as perçu, c'est-à-dire je me mets souvent en scène comme un personnage candide dans mes précédents films, c'est un peu la même chose, je voyage et puis je fais genre « Oh mais pourquoi vous faites ça ?» Et puis en fait c'est un peu pour pointer pour faire ressortir des choses. Et donc je trouve ça vachement intéressant que ce sous-texte ait été perçu. Et l'avoir vu jouer, ça m'a fait me dire que je m'étais limité finalement à être dans un certain registre et de me dire « Tiens, c'est vrai que j'aurais pu ouvrir un tout petit peu plus ce côté-là. » Ça aurait pu peut-être donner un peu plus de richesse et de sensibilité au propos. Et l'expérience donc de voir le scénario, donc c'est un vieux scénario en fait, pendant que je fabriquais, comme on disait tout à l'heure en animation, on peut continuer à réenregistrer des voix pendant qu'on fait et venir modifier des choses, etc. Donc ça peut être un piège sans fin. On fait un tournage, le tournage est fini, il faut faire avec la matière qu'on a. En animation, vous parlez beaucoup de faire le deuil des choses que vous ne conserverez pas au montage. Nous, c'est l'inverse. On a des petits embryons de phrases, de scénarios, et on se dit, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ? Et donc, par exemple, il y a des scènes que j'ai choisi de ne pas conserver, et en vous les voyant jouer, je me suis dit, ah merde, ça a marché vraiment bien. Et des scènes que j'ai fait sauter, où ça m'a permis de comprendre pourquoi, me dire ça j'avais bien fait de faire sauter, notamment la scène avec le collègue, le copain d'armée à la fin. Je me suis dit, voilà, c'était une redite, ça, vraiment ça sert à rien, c'était une lourdeur. Donc de revoir comme ça, c'est un truc de fou. Et par rapport à l'intime aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, mes deux grands-parents sont décédés pendant que je faisais le film. Et de voir des gens reprendre, c'est leurs mots, quoi. C'est vraiment des phrases, des conversations que j'ai enregistrées, que j'ai retranscrites, ma grand-mère a fait sa voix. Donc de voir quelqu'un qui redisait ces mots, c'était assez foufou. Et puis voilà, enfin, je vais m'arrêter parce que je parle trop. Non. Tu disais tout à l'heure hors champ que
Ça serait pas mal quand on prépare un film, même de rajouter une petite ligne au budget pour faire une lecture incarnée comme ça avant de tourner. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être généralisé? Alors, c'est pas dans le sens de réunir des comédiens pour les diriger et voir si la scène elle marche bien, mais en tout cas de livrer juste le scénario sans la note d'intention, par exemple, à des personnes qui ne connaissent pas le projet et de voir comme ça qu'est-ce qui en émerge, ça m'a fait me dire qu'il y avait des choses à creuser vers ça. En animation, on a moins le loisir de pouvoir expérimenter, de faire des... Par exemple, en études, j'ai fait 2 ans d'études en animation, j'ai fait un film de 6 minutes. Je ne sais pas combien de films tu as fait pendant tes études, mais on n'a pas trop l'occasion de pouvoir s'atteler plusieurs fois à la conception d'un récit, à la construction de personnages. Parce qu'en fait, ça prend tellement de temps à fabriquer que cette entreprise est longue et fastidieuse, donc on a peu de champs d'expérimentation. Et donc d'avoir comme ça des interactions avec des personnes qui sont plus dans l'habitude d'appréhender des personnages et des façons de mettre en scène, etc. Ça, je trouve que c'est une vraie richesse, en tout cas. Et le pont entre prise de vue continue et animation gagnerait à... Enfin, en tout cas, ça peut nous enrichir pour nos prochains projets. Ok, est-ce que quelqu'un peut poser une question à Bastien ou à ses comédiens? Est-ce qu'on a du chat ou... Moi, j'ai adoré, en tout cas, le film, je trouve extraordinaire. Et justement, il y a vraiment de la comédie, mais de la comédie qui part, qu'on pourrait pas écrire. C'est ce truc du fait que tu partes de choses vraies, où tous les espèces de petits détails, justement, d'aveux de par exemple, de jeunesse, où tu écris un truc bien manichéen, tout pourri, où tout le monde crève et tout ça, mais en même temps qui est assez proche d'arrêter. Tous ces paradoxes, je trouve qu'ils sont... C'est ce que tu disais, c'est assez hallucinant et ça produit en fait des passages entre l'émotion et la comédie qui sont assez géniaux. Et c'est rare, je trouve, aussi en animation d'avoir un récit aussi serré avec, je sais pas comment dire, un vrai récit de vie avec t'as plein d'époques, plein de décors. Et je voulais savoir, donc t'as vraiment, quand même, t'as fait tes animes sur des voix que t'avais déjà enregistrées. Il y a eu tous les cas de figure. J'ai fait ce qu'on appelle une animatique sur base du scénario. Donc on bricole un espèce de monstre à base de dessins, de photos, de références vidéo, de tout et n'importe quoi avec des voix témoins. Au début, j'ai commencé en mettant juste des sous-titres parce que juste le temps d'enregistrer même une voix témoin et de la rentrer dans la machine et de la recaler, nanana, ça consomme, ça, on perd en fluidité de manipulation. Donc au début, c'est taper les lignes de scénar, les mettre sur un banc de montage avec des images de rêve pour voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, enregistrer ça, en garder certaines, recouper, machin, réenregistrer des petits bouts. Et il y a des voix que je pouvais enregistrer, enfin mes voix témoins, c'était facile. Mais du coup, la problématique, c'est aussi que tu risques de t'y perdre parce que quand tu peux t'enregistrer quand tu veux, en fait, du coup, tu reviens sur ton montage encore, encore, encore. Et je me suis un peu perdu là-dedans avec ce film. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps parce que je me suis perdu en conjecture entre le montage, les voix, ce que je voulais dire, nanana. Et après, donc ouais, beaucoup de voix témoins. Après, on enregistre, on monte. Et il y a quelques passages où j'ai dû réenregistrer des bouts de voix ou des personnes qui ont disparu, qui sont réapparues, qui ont été remplacées. Par exemple, au départ, c'était que des personnages différents qui faisaient ma sœur à chaque intervention. C'était une personne différente. Et à la fin, j'ai choisi que ce soit elle qui fasse tous les interlocuteurs, mais qu'il y ait une scène où ce soit plein d'interlocuteurs d'un coup pour comprendre cette obsession d'en parler à tout et n'importe qui. Donc voilà, je me souviens même plus des détails, parce que ça a pris un temps de fou et j'ai beaucoup, beaucoup pinaillé. Beaucoup trop pinaillé. C'est vrai que moi, je n'arrivais pas à imaginer ce scénario. En fait, quand je l'avais vu la première fois à Courdevant, le film, j'arrivais pas à... Bah, puisque voilà, c'est des moments de vie, puis on voit qu'il y a une longue évolution. Là, je me demandais cette version que j'ai écoutée, à quel moment donc elle a été... finalement écrite, fixée, oui, puisque ça s'est construit sur beaucoup de temps comme ça.
Bah, c'est la dernière version mise en page de scénario ouais. Que j'ai envoyée. Et en la relisant, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça a beaucoup changé ». Et j'ai fait le... Enfin, j'en ai parlé avec vous et j'ai fait l'effort de me dire « Ok, ça, je livre un truc que je, dans lequel je ne me retrouve plus du tout ». Mais c'est aussi la richesse de l'exercice, c'est de voir un petit peu le temps qui est passé, le gap entre les intentions qu'on a dans le scénario et finalement la réalisation finale. Mais il faut que je fasse attention. Si un jour je veux faire un tournage en prise de vue continue ou en motion capture, ce que je pense faire pour mon prochain film, c'est que mon scénario soit plus proche de, enfin voilà, soit plus abouti, parce que je n'aurai pas cette latitude de pouvoir venir fixer des choses en cours de route, quoi. Ok, ben merci beaucoup. Merci Christine. Benoît, tu vas rester avec nous. Et ok. Merci. Perrine, c'est toi qui as fait Lady Daskalis sur J'aurais pu être une pute ? Perrine, c'est toi qui l'as fait ? Oui. Et ben on va rajouter une chaise et tu vas venir avec nous. Et on va demander à Hélène de venir aussi sur le plateau. Et je vais rappeler aux personnes qui nous regardent de poser des questions. Parce que sinon, j'ai deux téléphones en équilibre sur les genoux pour rien. Et c'est pas confortable. Personne ne nous regarde, tu sais. Eh ben, au moment où je dis ça, Florent nous écrit « Bravo pour arriver à avoir deux téléphones sur les genoux sans les faire tomber. Je reviens vers vous dès que j'ai une question. » Avant même que j'ai fini ma Tu peux me montrer ? Il avait remarqué. Ah, hop. C'est vrai. Benoît l'incrédule dans la Bible. Non, c'est pour un éventuel incrédule. C'est vrai, tu as raison. Mais si, Amélie nous dit. Parle-nous, Amélie. Alors, on va... embrayer sur « J'aurais pu être une pute ». Donc, on va, même processus, on va demander aux comédiens comment est-ce qu'ils sont rentrés dans le scénario à la première lecture. Qu'est-ce que ça vous a raconté Très facilement, hein, parce que ça, c'est un peu... Il y a beaucoup de tendresse dans les personnages, et puis c'est très... Il y a un peu de légèreté, je trouve. Et c'est assez agréable de les voir arriver avec des bagages comme ça. Ils ont quand même des gros bagages, surtout elle. Mais du coup, ils dégagent quand même une légèreté. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on a... Parce que souvent, on a tous des bagages à mesure qu'on avance dans la vie, des conneries, des deuils, des trucs. Et puis... Je trouve que c'est très important de rester léger. Et puis là, les personnages, ils restent légers. Et puis ils sont drôles. J'ai beaucoup aimé la râpe à fromage. Quand on arrive dans un film avec une râpe à fromage et un type qui est un peu obsessionnel sur le truc, c'est drôle. Et voilà, on les aime tout de suite à la lecture. Donc c'est très facile de rentrer. Pareil. Ça se lit très facilement déjà. Le fait qu'il y ait beaucoup de dialogues, c'est très agréable à lire. Et il y a ce dont tu parles sur un sujet qui pourrait être un peu lourd. Et du coup, la dérision des personnages à propos d'eux-mêmes et de leur bagage, je trouve que ça, c'est très beau et ça apporte de la poésie. C'est chouette. Et je ne sais pas si on pourra en parler, mais moi, le personnage de Mina, alors à la lecture, je n'avais pas vu le film. Donc après, quand j'ai vu que c'était Vima Laponce, c'était un peu impressionnant. mais il m'a fait penser à l'écriture un petit peu comme un embryon du personnage de Sarah Forestier dans Le Nom des gens. Et j'ai trouvé ça assez beau de lire un peu d'où ça pouvait partir. Enfin, c'est ce que je me suis raconté. Voilà. Parce qu'on fait les choses bien à Paris Cour de Vin. moi, je sais que je lis d'abord les scénarios sans savoir la distribution au départ. Donc voilà. Enfin, c'était la découverte des quatre univers. Et après, j'adore faire les didascalies, donc j'étais très contente de faire les didascalies parce que c'est
C'est pas toujours facile parce que à la fois c'est effectivement un énorme bout de texte, qu'elle soit rapide ou pas. Enfin, c'est ce qu'on disait. Elle donne le rythme, elle donne l'ambiance. Donc c'est à la fois un peu un personnage et en même temps pas du tout. Réussir à trouver l'équilibre dans les didascalies et particulièrement dans ton film où je trouve que la didascalie peut pas rester tout le temps neutre et qu'on est obligé de s'engager dans le jeu parce que la didascalie demande ça, à un moment demande de l'intention, demande de l'humour, enfin de ne pas faire que le rythme, mais aussi de plus s'engager quoi. Et c'est vachement, c'est très très jouissif et en même temps c'est aussi toujours, enfin voilà, de savoir jusqu'où on peut aller pour servir les personnages et ne pas et l'histoire ouais et ne pas prendre trop de plaisir à soi-même quoi. Mais non, mais c'était super justement, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait ce ton et d'ailleurs c'est bizarre parce que en écoutant justement avec ce côté où t'as tout de suite dans les didascalies amené quelque chose de rythmé, de comédie avec tous les deux qui jouaient, enfin je trouve qu'ils jouaient vraiment les personnages avec exactement toi, c'est une espèce de naïveté, de premier degré, d'un truc qui n'est pas facile à faire, en fait. Ouais, c'est vraiment une sincérité pure, alors qu'elle dit des trucs complètement improbables. Et toi, avec ce truc hyper drôle, gauche, hein, toujours un peu lâche et en même temps absolument charmant. Et c'était... non, mais c'est quand même le rôle de Podalydès, il est quand même hyper lâche. Et en même temps, il est génial. J'aime bien l'alliage des deux. Et donc, moi, j'ai adoré la lecture. Mais je me disais, en écoutant, ce qui ne m'était jamais arrivé, parce que vu que je ne l'ai pas vu depuis longtemps en plus, je me demandais si on s'attendait à ce que ça parte là. Parce que ça fait vraiment comédie romantique, oui, d'un mec qui achète une râpe à fromage. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'a paru improbable. Mais j'ai pas compris ce qui t'a paru improbable. Mais non, je me demandais, tout d'un coup, je me suis projetée, je me suis demandé, comme moi j'ai toujours su que j'allais quand même vers un récit, comme tu dis, un peu lourd, et que du coup, il y avait une grosse nécessité parce que j'avais envie que ça soit pas une punition pour les gens de voir ça, donc j'avais envie que ça soit léger et aussi que ça soit qu'il y ait de l'espoir et que les personnages, que ça soit une rencontre, donc voilà, donc ça soit vraiment une comédie romantique. Mais là, en l'écoutant, je me disais je me demandais ce que les gens pensaient que ça racontait en fait. Parce qu'en fait, ça arrive très tard. Tu veux dire jusqu'à la phrase de dialogue qui révèle les dessous de l'histoire. Oui, c'est ça, parce que c'était quand même au départ ma motivation du truc à raconter. Et même si j'aime bien les comédies romantiques, mais j'avais envie de la faire autour de ça. Et du coup, c'est pas du tout clair ce que je dis. Si, c'est très clair. Si, moi, tout à fait. En fait, je pense que on sait qu'il y a un truc qu'on comprend pas, parce qu'il y a cet outil énorme. Oui. Qu'elle a tout le temps en main, qui est sur le piano, qui est sur la table quand il mange, il est tout le temps là dans les plans. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, mais qu'est-ce qu'elle va foutre avec ce truc ? Eh ben, on sait qu'il y a quelque chose. Il y a une information qu'on attend. Donc je pense que tout de suite, on sait. Voilà. En tant que spectateur, qu'on va au-devant de quelque chose. Voilà. Ouais, on sent que ça... Est-ce que tu confirmes l'intuition d'Hélène sur le fait que c'est le personnage qui a préparé le personnage du nom des gens ? Oui, en fait, mais en fait, je pense qu'ils ont été écrits un petit peu en même temps. Et je ne saurais pas dire lequel avant, un peu les deux. Par contre, il a été tourné après. Ah, oui. Ouais. Je suis à peu près sûre d'ailleurs qu'il a été écrit avant, maintenant que je le rembobine. J'ai jamais pu le faire. Et ensuite, je l'ai tourné après, grâce au nom des gens. La même boîte de prod m'a donné l'aide au programme. Antoine et Fabrice, Antoine Rhin et Fabrice Goldstein.
et Caroline Adrian d'ailleurs à l'époque. Et donc on a, en fait, j'ai profité de ça. Mais sinon à l'écriture, ça passait pas du tout. J'ai eu aucune région, pas le CNC, rien. C'était trop bavard, toujours. On me renvoyait toujours que c'était trop bavard. D'accord. Oh, c'est chiant, ça. C'est assez bavard. Ah oui, c'est super quand c'est bavard. Donc, t'as eu ouais, aucune aide, ni de région, ni du CNC, ni de rien. C'est juste Carré qui a mis son... Ouais, c'est Carré qui a mis... en fait, ils faisaient beaucoup de cours, donc ils avaient... du fonds de soutien. Du fonds de soutien, ouais. D'accord. Ouais. Et de l'aide au programme. C'était de l'aide au programme. En fait, j'ai pris leur aide au programme. D'accord. C'était génial. Parce que oui, non, j'avais essayé de le monter avec une autre boîte de prod avant de les rencontrer et ça, voilà. On est reparti bredouille. Ah oui, mais ça, c'est, malheureusement, ça arrive à tellement de très, très beaux projets. Ouais, donc il a été un peu sauvé, et il a été sauvé un peu par le nom des gens, effectivement. Et c'est vrai que c'était marrant pour Vie Malade de jouer un peu Sarah et... des espèces de doubles comme ça. Ah oui, ça a été tourné dans ce sens-là, c'est marrant. Dans la tête, moi, j'avais l'inverse. Non, mais c'est vrai que, en fait, le cours était écrit avant et tourné après. Et là, entre la version écrite, il y a quand même des sensibles différences entre la version écrite et la version filmée. Il y a beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de coupes. Donc, racontez-moi un peu ce qui s'est passé là. Des modifications assez importantes aussi. Et plus que des coupes, des modifications. Des modifications importantes qui ont été faites sur le tournage ou que tu as... Est-ce que vous êtes beaucoup... C'était un premier court-métrage, donc il y a beaucoup d'aléas. Soit on n'est pas content d'une scène quand on la tourne. Moi, aujourd'hui, il y en a même que je couperais que... par exemple, avec Vie Malade, on n'est pas du tout contente de la scène de nu sur le balcon parce qu'elle revenait du Mexique et elle avait tourné, au soleil. Donc, elle est hyper bronzée. Elle avait dû s'épiler au cordeau et tout ça pour l'autre film. Et du coup, elle avait maigri, elle était toute maigre. Et puis, à chaque fois qu'on voit le film avec Vie Malade, on se dit « Oh putain, fais chier, tout, c'est trop, ça fait trop un peu... » Mais bon, tu veux dire qu'elle est trop bien foutue, quoi. Oui, en fait, disons que pour le personnage. Vie Malade et moi, on a un peu râlé de ce truc. Parce qu'elle était vraiment à son top... top mannequin, il n'y avait rien à faire. De toute façon, on n'y pouvait rien. Elle avait carrément la couleur de la brique, tellement elle était dorée. Donc ça, c'était un truc qui nous avait fait marrer. Et puis en fait, quand on a retourné ensemble sur un long, on a fait du nu beaucoup plus burlesque. Enfin, on l'a travaillé autrement et on s'est beaucoup plus amusé. Alors que là, en plus, c'était un immeuble fermé. Et donc, il y avait des tas de gens qui la voyaient. C'était hyper drôle, d'ailleurs. La gardienne de l'immeuble, elle a appelé les flics. Elle pensait qu'on tournait. Elle savait qu'il y avait un tournage qui se faisait. Et elle a cru que c'était un porno qui se tournait. Donc, du coup, cette scène aussi a été vachement perturbée par le fait qu'elle criait « Oh non, sortez, c'est dégoûtant !» et tout ça. Elle voulait qu'on rentre. Donc, on était obligé de tourner pendant les temps où elle rentrait dans sa loge parce que dès qu'elle sortait... Et il a fallu que le chef Machinot, qui était un vieux de la vieille, qui était vraiment hyper drôle, il est descendu et il lui a dit texto, « Madame, elle n'est pas nue, c'est du cinéma, madame. » Alors là, il faut arrêter, c'est du cinéma. Elle a une combinaison autour d'elle, c'est pas du vrai nu. Et non, mais vraiment, il l'a calmée comme ça. Et elle criait et tout. Et petit à petit, elle a fait « Ah bon, elle n'est pas vraiment... » Non, on dirait qu'elle est nue, mais elle n'est pas nue. C'est du cinéma, madame. Les gens ne sont pas nus au cinéma. C'est au théâtre que les gens sont nus. Bah oui. Elle vous a pas demandé pourquoi vous aviez mis une combinaison pas vraiment nus. Couleur brique. Ouais, voilà. Ouais. Elle nous a... Non, moi, mais j'avais beaucoup ri. Et non, sinon, j'ai coupé par exemple la scène un petit peu où elle essayait de le déshabiller, qui était, enfin bref, où elle est nue parce qu'elle se donne à lui tout de suite et puis lui non. Bah, cette scène burlesque, on n'a jamais réussi à la faire parce que. Le producteur voulait pas que ça dure trop, les comédiens mettaient beaucoup de temps à trouver, à se détendre. Moi, j'étais tendue aussi, donc je l'ai coupé, ça, par exemple. J'ai essayé de la tourner et puis j'ai arrêté d'essayer de la tourner. Après, il y a des ellipses qui se sont faites. Par exemple, j'ai fait des conneries. Toutes les ellipses, c'est des conneries. Mais j'aime bien ce truc du montage. Par exemple, il y a eu vraiment une scène où il mettait ses pattes et elle cherchait de l'alcool dans la maison, que j'adorais, mais c'était un plan séquence
de 10 minutes au milieu d'un film de 25. Donc, ouais. Voilà, on fait des conneries, quoi. Après, du coup, on coupe et c'est mieux. C'est drôle, pour revenir à la râpe à fromage, j'ai l'impression qu'en fait, les mentions de la râpe dans le film m'ont fait rire parce que j'avais écouté le scénario avant où c'était un personnage beaucoup plus important. Oui, la râpe est un peu éclipsée, c'est sûr. C'est vrai, la râpe a un peu perdu. Oui, elle a un peu perdu. Mais je l'ai prévenue par mail qu'elle avait été un peu coupée au montage. Ah ouais, la pauvre. Bon, et t'es pas trop triste ? Un peu. Oui, je comprends. Et puis la scène de la tâche, elle change aussi. Parce que dans la lecture, je veux pas trop et tout. Alors qu'au contraire, dans le film, tout d'un coup, le mec, il s'excite pour faire la tâche. Donc, je peux comprendre dans ce que tu disais dans le burlesque d'après. Ouais. Il se donne lui aussi tout d'un coup dans cette... Ça change. C'est aussi des choses... comme ce que tu disais, au tournage, où ça, il se passe des choses aussi avec les comédiens. Tout d'un coup, Bruno, il se laisse bouleverser et on a envie de pousser ça. Donc, c'est des trucs qui sont venus, qui modifient forcément, en fait, les idées un peu. Donc, toute l'idée, c'était toujours de garder quand même les lignes directrices des deux personnages qui, du coup, sont opposés et génèrent de la comédie. Mais à un moment, comme ce qu'on se disait sur vos films, quoi, à un moment, la sincérité doit passer devant la comédie. Et ça se fait naturellement. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Je pense qu'il faut donner prendre un micro parce que sinon on ne t'entendra pas. Justement, à propos de la comédie, et on a beaucoup parlé de la tendresse des personnages, du décalage des personnages. Je me demandais si c'est le fond du film qui t'a poussé à aller attirer vers ça, ou si c'est juste une nature personnelle et un goût personnel, ou si justement voilà, ce thème un petit peu plombant t'a tiré vers ça, quoi. Ouais, mais totalement. Oui, c'est vraiment ça, parce que. Parce que je sais pas, par pudeur, en fait. C'est tellement... C'est potentiellement tellement lourd comme histoire que j'avais pas du tout envie de le raconter de façon triste. Et j'avais aussi envie de le raconter à travers une vengeance. Donc il y avait quelque chose d'un peu de fait, pas forcément réaliste. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette idée de couper les couilles, de s'amuser aussi à aller tirer dans des endroits, d'un côté, une extrême vulgarité ou quelque chose qui nous emmène potentiellement vers quelque chose d'un peu gore, parce qu'il y a tout de suite une image, puis d'ailleurs, pédophilie ou pas, de toute manière, ce gros sécateur, ça évoque tout de suite, c'est tout de suite un peu effrayant pour un homme. Ah bon? Tu vois, il y a quelque chose de... déjà, chez cette fille, le fait qu'elle porte ce sécateur, il y a quelque chose qui fait dire à tout homme bien dans sa tête qu'il vaut mieux passer son chemin, quoi. Donc, il y a quelque chose que je trouvais vraiment très drôle, qui est presque de l'ordre de la... quelque chose de BD. Et de toute façon, les courts-métrages, mais je crois même les films en général, parce qu'on met, nous aussi, tellement de temps à avoir le droit de les... à trouver les sous pour les faire, avoir le droit de les faire, que moi j'ai l'impression qu'on est en fait, après je sais pas justement, des réalisateurs qui ont fait 20-30 films, mais moi pour l'instant je pense que je vais être encore pendant 10 films dans ce qu'on appelle l'expérimentation. Donc on sait pas, puis quand les années passent, là par exemple je trouve ça, en fait j'adore la naïveté chez les personnages, la naïveté, la sincérité, le premier degré, et après je pense qu'en vieillissant, dans le récit global, je suis moins naïve. Mais j'ai envie de garder, par contre, une certaine naïveté au personnage. Mais, je me suis posé la question de cette fin, ce happy end. Et en même temps, j'aime bien. Je sais pas si c'est bien. Je trouve ça pas très. Je trouve ça un peu facile et pas. Je sais pas. C'est peut-être une facilité, mais en fait, ça me plaît. Non, c'est la vie, surtout. C'est la vie. Sinon, on se parle tout de suite. Ouais, c'est ça, en fait. Merci. C'est ça que je crois.
Ça aurait été sympa de voir les couilles coupées quand même. Ouais, alors figure-toi que j'ai hésité à un moment à finir gore. Parce que l'idée, c'est quand même de s'amuser avec ça. Donc, et puis j'avais peur. Oui, de. Enfin, j'ai vraiment envisagé que ça devienne une sorte de série B à la Mandico, tu vois, avec. Allez, vache, tac, ça explose. C'était un projet à un moment. Puis j'ai pas eu les couilles en vrai. et à l'inverse, t'as presque gommé le personnage du vieux à la fin par rapport au scénario où il a une ou deux répliques en plus. Ouais. Là, tu l'as vraiment. C'est le papa de Zabou, Batman, qui est un acteur génial. Je l'adore. Il est mort depuis. Et c'est un acteur. Il était tellement sympa pour venir jouer un truc pareil et il s'est marré avec son petit. Oui, parce que je pouvais pas le faire tomber quand même. Ouais. Ça aussi, c'est prise de tête. Comment on fait tomber un vieux monsieur Ouais. Non, j'avais pas les moyens. Parce que le mec au sol, c'est le mec des ouais, la vengeance est faite d'elle-même. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est aller vers le déambulateur, c'est un peu plus. C'est marrant. Enfin, de toute façon, on bidouille. Tout est. C'est ça qui est marrant dans les cours. Enfin, je sais pas. On bidouille, en fait, pour arriver. Ça me fait rire, moi, justement, quand j'entends les. Enfin, je pense qu'il y avait ça dans tous les scénarios. Mais moi, vraiment, c'était genre. Il y avait une foule dans la rue, un grand magasin avec des vendeuses, des annonces et tout. Puis après, on fait des repérages, on a des sous, puis on fait. Tu coupes. Mais là, c'est pas tellement une question de budget sur le. Enfin, si un cascadeur et tout ça, ça coûte plus cher. Mais le fait du déambulateur, du papy qui est presque impotent et tout, la vengeance, elle est déjà là. Elle est déjà consommée. Ouais, c'est ça. C'est une autre traduction de la même idée, même encore un peu plus pathétique peut-être. Ah ouais, il est pathétique. Voilà. Et il fuit en déambulateur. C'est... Et moins cher et sans cascadeur. Oui. C'est quand même important. Est-ce qu'on a quelques réactions Moi, j'ai une dernière injonction. Posez-moi des questions, parce que je n'ai plus aucune sensibilité dans les fesses, à part le fait que je n'ai pas bougé depuis tout à l'heure pour ne pas faire tomber ces deux téléphones. Mais bon, gainage. Mais en tout cas, merci Andréane, Florent et Amélie de vous être manifestés. Voilà, ben je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous remercier énormément à toutes et à tous. Je voulais faire un immense merci aux comédiens de venir. Dans cet exercice-là particulier où les films sont déjà tournés, la générosité est deux fois plus grande parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais le rôle. Ils n'ont même pas cet espoir. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est un vrai cadeau. En revanche, on attend vos prochains films. Voilà, je voulais les remercier toutes et tous pour ça. Et puis vous remercier à vous aussi d'abord d'avoir fait des films aussi magnifiques et puis d'être venus ce soir les partager avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Rémi. Merci Nathalie. Voilà, je termine en disant que vous pourrez évidemment revoir à la fois la lecture et notre rencontre sur la chaîne YouTube de Paris Cours de Vent. Dès qu'on aura coupé le bouton, vous aurez les deux en replay. Donc ne manquez pas de venir les voir si jamais vous les avez ratés. Voilà, ça valait le coup. Merci beaucoup. Grand merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Amélie.